Allô ? Bamako, capitale du Mali, autrefois le Soudan français, compte de nombreux photographes. Sédou Keïta est sans conteste le plus impressionnant de tous. Entre 1948, date d'ouverture de son studio photo dans la concession familiale, et 1962, où il devint fonctionnaire photographe pour le nouvel État malien jusqu'en 1977, Sédou Keïta a photographié des dizaines de milliers de clients qui venaient chez lui pour s'offrir des photos souvenirs et les envoyer à leur famille. Dans ses portraits, exclusivement en noir et blanc, on découvre, au gré des poses, la rigueur et la tendre sensibilité de l'artiste profondément épris de photographie. Ces clichés ne sont pas seulement de belles images, mais un travail sur la mémoire où se dessine toute la majesté et l'élégance de la civilisation africaine, donnant à son œuvre une dimension universelle. Mon père, lui, il est né ici. Mon père est né ici. Alors, lui aussi, il n'a pas étudié, hein, il n'a jamais fait la classe, hein, lui. Mon père, il n'a jamais fait la classe. Il faisait l'apprenti menuisier avec un vieux qui travaillait au chemin de fer. Il est devenu un ouvrier, il faisait un peu de tous les travaux. Mais la menuiserie, principalement, c'était son métier. Moi aussi, je l'ai appris avec mon père, faire le menuisier. Quand j'ai rendu visite à Sédou Keïta pour faire cette fois son portrait, je ne savais pas trop comment traduire le mieux possible son amour profond pour la photographie. Je lui ai alors demandé s'il accepterait de faire une prise de vue comme il avait l'habitude d'en faire auparavant dans son studio en lumière du jour. Il a souri et m'a dit aussitôt « D'accord, on fait ça ici avec la famille ». Il est ensuite allé discuter avec ses frères, puis ses modèles. Il a choisi l'emplacement dans la cour principale, devant une des maisons. Le lendemain matin, assisté de son fils, il a fait plus de 50 poses. Bon, au cours de mon apprentissage menuisier, je faisais la photo. Cela dépend de mon oncle qui était parti au Sénégal. À son retour du Sénégal, lui, il a amené un appareil. Un appareil 6-9 en boîte. Alors, j'ai vu l'appareil, je lui ai demandé. Il me dit, oui, c'était un appareil photographique. Ah, moi j'ai dit pourtant, moi j'aimerais avoir cet appareil-là. Il dit d'accord, il y a la pellicule, tu prendrais ça aussi. C'est là que j'ai commencé à faire des photos. Pour un premier départ, ça n'allait pas du tout, puisque toutes les photos que je faisais là, quand je donnais ça, puisqu'il y avait un Européen qui vendait tous les matériels photographiques ici. Alors, c'est lui qui faisait tous mes développements et puis les tirages. En fin de compte, comme le gars voit que vraiment je tiens beaucoup à la photographie, il me dit, mais c'est doux. Il faut apprendre à faire le développement toi-même, puis faire tes tirages. J'ai dit, mais les matériels. Il dit, mais j'ai des matériels ici à vendre. Alors, j'ai été payé le révélateur et fixateur, et puis des petites cuves pour faire le développement d'abord le film, des cuves inox. Jusqu'ici, je dois en avoir ici.
Alors j'ai commencé à faire le développement moi-même. Je faisais les tirages en même temps. Alors il y avait des images, on dirait des squelettes que j'ai photographiées, puisque je ne connaissais pas comment il faut photographier avec l'appareil. Mais en fin de compte, je suis arrivé quand même à faire de jolis portraits, de jolies photos. En 6-9, je faisais tous mes tirages avec contact, direct, hein, en 6-9. Mais attention, je suis le roi des rois, donc si on me fait une photo, il faut qu'elle soit plus nouvelle que ce garçon. Il est Sibita. Il est Sibita. Il est Sibita. Il est Angoul, il est Sibita. Voilà, où c'est Mourou Kélé? Tu sais quoi? C'est Mourou Kélé. Ah, voilà. Ça fait, il est bien, il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Voilà, là, c'est très bien. Question. C'est. Et ta banane. Bon, il doit. Eh bien, c'est que je suis. Ah, il va faire un peu. Là, c'est bon. Voilà, il couna vous les donne. C'est ça. Là, c'est très bon. Bon, attention. Tu es chocolat, hein? Voilà, là. Tu es chocolat, y'a, mais. C'est ça. Voilà, Obana. Ido. Voilà. C'est ça, il est là. Voilà, il est là, on va s'attendre. Voilà, il est là. Voilà. Boulot na bo ha wala boulot na bo mala bo boulot ko do kam boulot la bo ngé c'est ça voilà idou bon mais do ci ko ni c'est bon yaye idou ay ay kuntu e ka to boulot c'est ça tu vas pas le ah Thank you.
Voilà, là, c'est très bon. Attention. Voilà. Obana. Oui, c'est les Européens, quand ils viennent, ce sont eux qui faisaient la photo un peu partout. Puisqu'à l'époque, nos grands personnages ne voulaient pas du tout se faire photographier. Par la religion avait interdit ça alors. C'est la religion musulmane qui... Oui, il disait qu'un musulman ne doit pas faire de photos, puisque quand tu meurs, alors la photo là, tu vois, il y avait tellement d'histoires dedans. Mais quand même, les jeunes ne voulaient pas écouter ça du tout. Hein. Ah oui, les jeunes se photographiaient. Lorsque j'ai commencé la photographie avec mon appareil 6-9 en boîte, il y avait les jeunes de notre quartier qui venaient se faire photographier. C'est avec ça que j'ai commencé à prendre peu d'argent pour m'acheter des pellicules et pour pouvoir payer mes développements et puis les tirages. En fin de compte, je suis arrivé moi-même à faire des développements et puis faire des tirages. C'est vous qui faisiez tout après? Oui, après, oui. Après, j'ai tous les matériels, j'ai tous les vieux matériels avec moi ici. Ah oui. Si ça ne vous gêne pas, non, ça me gêne. Vous savez qui est ici, encore, en termes de barrage. Non, je m'en vais d'abord. Voilà. Ibessia. Voilà. Alors, lorsque je suis maintenant que j'ai vraiment compris, j'ai payé un autre appareil. Mais cette fois-ci, j'ai payé un 6-9 en plaque. Avec le châssis métallique en 6-9. Alors j'ai commencé à photographier maintenant encore sur plaque. J'ai mis du temps hein, pour pouvoir les connaître. Mais après j'ai payé un F12. Là encore j'ai payé une chambre formant directement 13-18. C'est là maintenant que j'ai construit un studio. Alors là, la clientèle commençait maintenant à venir. C'était quand ça? Hein? C'était à quel moment? Ça s'est fait depuis en 48-49. En 49, j'ai conçu un studio avec 3 projecteurs. En 49, je faisais des belles portraits à l'époque, puisque là j'avais vraiment compris ce que c'est la photo. Alors moi j'ai continué à photographier comme ça. Ah ben. Voilà. Aïe. 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 Voilà. Ah. Bon, il va tout comme lui. Toi, t'es canabouzé, yam. Ni tout comme lui. Pardon, canabouzé. Aïe, aïe. Ah, voilà. Et puis, on a voulu donner. C'est ça, canabouzé, t'es yam. Ah. C'est ça. Là, c'est très bien. Attention. Canabote, hein? C'est ça. Il y a les cas, il y a une abonne donnée. Voilà. Là, c'est très bien. Attention. C'est. Et ta banane.
et bien ce que dit. C'est ça. Voilà. Bon, c'est le fond là-bas. Aïe, il va accroître. C'est là-bas qu'on me remet. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Bon, il est trop longtemps. C'est bon. Il coule de l'état. Donne. Aïe. Voilà. Qui est là? Qui est là? Voilà. Il y a mal. Garde le qui. Il va qui comme une boule là. Kelen 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 na fora o fla ka ta nyo fe o ba tla de voilà là tout suite na bus. Bon. Et là, quand on fait la langue, on n'a pas besoin. Tout le monde venait chez moi, tout le monde venait. En fin de compte, j'ai cessé de faire la ménagerie. J'ai continué sur la photographie. Jusqu'à nos jours. Oui, parce que il venait faire quoi? Des photos souvenirs, des photos d'identité, des... C'était pour... Et puis, ah oui, des... principalement des photos souvenirs. Puisque la plupart venaient me demander, je vais faire mes photos, c'est pour envoyer dans ma famille. Et c'était des gens de Bamako, c'était des gens des villages. Ah, enfin, c'est-à-dire, après, il y avait tout le monde qui venait, tout le monde un peu de partout. Hein. Il y avait des Sénégalais, il y avait des Guinéens, il y avait des Voltaïques, il y avait... C'est-à-dire des Ivoiriens, il y avait un peu de tout qui venait hein, dans mon studio. Alors il vient me demander, mais je les prenais directement sur 13-18. Alors celui qui avait une carte postale, j'avais un autre appareil, NEP 12, ça je les prenais sur NEP 12.
En fin de compte, après, alors j'ai tellement compris mon appareil, j'ai été obligé de partager maintenant le châssis en deux. J'ai coupé un carton, je ferme en bas, je laisse en haut. Quand j'ai fait une prise de vue en haut, après j'ai fait monter le carton. Alors en bas aussi j'ai fait une autre. C'est-à-dire chaque cliché, je faisais deux prises de vue. Comme ça le client pouvait choisir. Ah oui. Non, non, non. C'est-à-dire chaque pose, on n'a jamais fait deux poses. Oui. Quand les clients viennent, une pose, on ne peut pas dépasser. Tellement on a compris, on ne loupait pas du tout. On n'a jamais fait deux poses pour quelqu'un, non. Puisque les films, on travaille pour avoir. On travaille pour avoir. Pour ma première exposition, alors mes anciens clients, ce sont des copains à moi. Ils sont venus me demander leurs anciens clichés. J'ai dit, d'accord, j'ai les anciens clichés. Il y avait deux gaillards, ils m'ont dit de chercher leurs négatifs. Je les ai cherchés. Il a vu les négatifs, il n'arrive pas à se retrouver. Il dit que c'est ma pellicule, ça. J'ai dit oui. Ah, mais c'est doux. Bon, faites le tirage, je vais voir. J'ai fait le tirage. Quand il a vu, il dit que mais ça, c'est pas ma photo, c'est doux. Carrément, j'ai dit, mais toi, tu es cinglé. Comment c'est pas ta photo? Alors, t'as pas voulu garder l'ancien? Ah, il dit que j'ai donné l'ancien à un copain, lui, il doit en avoir. Il est allé chercher ces cartes-là. Il est venu, je les ai dit, ah oui. C'est celle-là. Il dit que mais, je suis foutu. Hein. Il dit, comment foutu? Mais j'ai vieilli, mais alors, toi, tu voulais rester toute ta vie jeunesse. Hein? Hein? Comment? Mais c'est curieux. Hein. Ah, mais dis hein? Mais lorsque tu faisais la photo là, tu avais combien d'années? Il savait pas. J'ai dit bon maintenant, ah, il dit que j'ai presque 55 ans. Ah bon, 55 ans. Je vais vous photographier. Je l'ai photographié. J'ai fait le tirage. Après j'ai confondu, il dit mais c'est mon fils. Mais tu. Il dit que la photo là c'est son fils. Effectivement il a amené. Son fils disait que mais papa, où tu as eu ces photos là? Mais quel con qu'il est. Mais comment lui il peut avoir des photos qui n'a jamais été photographiées? Hein? Il est venu ici avec son fils. J'ai dit mais ça c'est la photo à votre papa, hein, pas vous. Il dit quelle ressemblance. Ça, c'est ton père ou bien c'est pas ton père? Il dit oui, c'est mon père. Tu vois? Il voulait pas pourtant, c'est un gars qui est très bien instruit. Mais la photographie, il n'arrive pas du tout à comprendre. Il dit que tellement la photo là lui ressemble. La photo de son père. Essaye. Et bien le matin. Essayez-le, sans vous dire. Voilà. On a son bras bon. Ce sont des souvenirs, hein, les négatifs là. Ce sont des souvenirs. Puisque moi je sais que chez nous, tout va changer. Puisque l'habillement déjà, il y a beaucoup qui ont changé. Tu vois? Mais les hommes maintenant sont revenus, au lieu de porter des vestes en cravate, il y a beaucoup qui préfèrent les grands boubous maintenant.
y a certaines femmes aussi qui ont compris, ils reviennent en arrière. Ah, ce sont les jeunes filles maintenant qui ne portent que des jupes, des pantalons, des machins. Tu vois? Ah, il y en a bien. Il y a un appareil là. Il y a un appareil là. Il y a un appareil là. Il y a une direction. Ah, encore ma bonne donnée, t'as vu. Voilà. Et puis cette douane est canaille. Ah oui, il m'a l'amour. Il est poussé à la douane. Ah oui, il m'a l'amour. 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 Ah oui, Baba! Voilà. Et bien, il y a le caillant plaidé. Voilà, il y a un plaidé. Oh, bon. C'est-à-dire, il doit. Il doit la jambe afrique, il doit tout. Il doit en faire. Et qu'il doit en faire. Ah bon? Il doit en faire du canton. Yamé. C'est pas un bel appareil d'immo. Il doit appareil minéta. Mais il doit appareil qu'on a la jambe. Il doit acquitter à droite. Yamé. Mais il voilà. C'est ça, bon, il y en a, 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 il y en a,
Tu es là, tu n'as bougé. C'est ça. Tout est bien, mais... Oh, voilà. Et pour le printemps. C'est ça. Attention. Abana. Emadou. On va flapper la taille, ça bébé d'offre. Hein? Puisque le portrait, vraiment, c'est bien. C'est toi qui places les gens. Tu leur donnes des positions. Tu sais, ça, là, vraiment, c'est très intéressant. Après les prises de vue, quand tu fais tes tirages, c'est à toi maintenant de juger tes prises de vue, de voir quel travail tu as fait, si la position n'est pas bonne. Tu n'es pas du tout content. Un peu de défaut seulement, ça y est. C'est pas bon. Alors là, je préfère refaire encore ces poses. Il y a des fois où ça vous est arrivé de faire plusieurs fois. Plusieurs fois, hein, c'est vrai. Vous n'êtes pas content? Ah oui, moi je ne suis pas content. Parce que il y a, surtout il y a, je ne sais pas, un étranger qui est venu, je ne sais pas de où. Du Bénin, en tout cas, le gars est venu, il a fait ce jour-là, il en a fait près de 12 poses, hein, différents, hein, seul. Seul, il ne fait que changer les habits. 12 poses, mais il n'y a eu qu'un seul qui n'était pas bon. Lui-même, il l'a reconnu. Alors j'ai été obligé de refaire ça pour qu'il soit content. Pour qu'il ait 12. Ah oui, il était tellement content, il en a fait beaucoup de tirages. Et ouais. Justement dans la composition, c'est vous qui achetez les tissus, qui choisissez les fonds Oui, c'est-à-dire dans les studios, c'est moi qui... J'ai tous mes rideaux, j'avais à peu près... 3 modèles de rideaux dans mon studio. Il y avait 3, à peu près. Alors je l'ai changé. Oui. Suivant la tenue que le client porte. Ça, on est obligé de changer les rideaux. Puisque l'habit, il ne faut pas que l'habit corresponde au rideau. C'est pas bon, ça on ne peut pas distinguer. Oh, vous avez fait une très belle photo avec le rideau et puis les deux sœurs qui sont avec le même fond. Avec le même fond? Oui. Justement, ça on a fait exprès. Ça on a fait exprès. Là où il y a les femmes là. Oui, ça j'ai fait exprès. Ah oui. Puisque... Sur le verre de police, j'ai vu que vraiment, c'est bien quand même. Ça, j'ai fait à peu près quelques poses sur ça. Oui. Là où l'air grand bobo avec les autriches et puis choses là, oui. Ça, je l'ai fait exprès. Hein. Elles étaient contentes, hein, ces jours-là. Je dis que mais c'est d'où les rideaux et puis nos habits là, hein. C'est bien, hein. D'accord, si c'est bien. Moi aussi, c'est pourquoi je l'ai fait. Hein? C'était des jumelles, non? Non, des co-épouses. C'était des co-épouses. La première dame, elle est décédée, mais l'autre là, elle est là-bas. Et c'est en les voyant? Ils ont, j'ai fait des grands agrandissements pour eux. Jusqu'ici, ils en ont dans leur salon. La photo, c'est bien, hein? C'est des souvenirs, hein, la photo. Très bien. Moi, j'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la photo. Voilà. Allez. Attention. Voilà.
Maman.